C'est un passage obligé des politiques, la fameuse photo officielle à l'occasion de la nouvelle législature, le Conseil d'État valaisan mise sur les valeurs traditionnelles avec les chiens, les Saint-Bernard. Une délégation avait déjà amené le chien Magnum au pape François. Cette fois, il y a un chien pour chaque conseiller et conseillère d'État. C'est la chronique photo du vendredi, elle est signée Cédrine Verrien. Ils sont pas choux comme ça, nos conseillers d'État valaisans. Pour la photo officielle 2020, une bonne idée, la sienne, celle de Christophe Darbelay. Parce que c'est toujours le président en charge qui choisit le sujet en fonction de ses intérêts. Donc, Patch, Rangoon, Cachemire, Tosca, Elvie, Roxy, prêtés pour l'occasion par la Fondation du Barry. On est dans une période difficile et le Saint-Bernard, c'est un chien résistant, doux, avec beaucoup de volonté et une dimension sociale. Ce sont des valeurs qui me parlent et je voulais les mettre en avant. Le chien et le politique, une longue histoire, pas si anodine. Objectif, sympathie et proximité. Alors, dans l'amphithéâtre de Martigny, pas de formalité. Excite les cravates. L'image date du 6 mai 2020, commandée au photographe valaisan Olivier Maire. En pleine pandémie de Covid-19, de la distance sociale, mais pas seulement. Ici, laisser l'herbe folle pour le côté nature. On devait tellement tout gérer à cette période qu'on a cherché un peu de spontanéité. Bon, le chiot de 5 semaines, là, trop mignon, avait été spécialement demandé. Et tiens, justement, le voici dans les bras de la seule femme présente, Esther Weber-Kalbermatten. Comme ça, par hasard. Trop chou. Donc oui, une bien jolie mise en scène. C'est vrai, heureusement qu'on a les Saint-Bernard pour nous remonter le moral.